Cette vidéo concerne l'intervention précoce chez l'enfant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. L'intervention précoce chez l'enfant fait habituellement référence à des programmes de soutien et d'intervention directe et indirecte conçus pour les jeunes enfants présentant des troubles du développement, problèmes de développement ou des risques de problèmes ainsi que pour leur famille. L'objectif de l'intervention précoce est de prévenir ou de minimiser les limitations physiques, cognitions cognitives et troubles émotionnels des jeunes enfants désavantagés en raison d'exposition à différents facteurs de risque environnementaux ou biologiques. Hans Blackman, J. 2002. Et Harley, intervention à globale perspective. Enfants en Young Children 15 de 11-19. Pour ce faire, elle inclut des composantes éducatives et thérapeutiques et se conceptualise en une méthode d'intervention systématique et planifiée basée sur les besoins de l'enfant durant ses premières années de vie. Zladowski Amar dès 2006. A Dynamic Assessment of Early Intervention Model in Children with Developmental Delay Creating a Paradigm Shift in Early Intervention Policy and Practice. Enfin, l'intervention précoce englobe une variété d'activités, approches centrées sur la famille, pratiques centrées sur la famille, participation aux opportunités offertes dans un environnement naturel, identification de bureaux liés aux stratégies d'apprentissage, programmes de collaboration professionnelle et aux programmes éducatifs parentaux. Notes et références, voire aussi pédiatrie, approche centrée sur la famille, catégorie développement chez l'humain, catégorie traitement paramédical, catégorie pédiatrie.